beaucoup. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Frustrant parfois. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Oui. Il s'est beaucoup montré, il a été très actif, il fait des différences, mais parfois il est frustrant parce qu'il joue arrêté. Je trouve qu'il a un peu revenu à ses défauts qu'il avait au tout début, où il était très souvent arrêté, qu'il prenait très peu la profondeur. On sent qu'il peut tellement faire mal aux défenses, et il est pas sur la retenue, mais voilà, il lui manque un truc encore pour avancer, être décisif, plus décisif encore, même si il peut être décisif de la cinquième minute avec son centre pour Martin Tarrier qui est très bien. Oui, et il l'est sur la passe, sur sa récupération avec son espèce double contact. Quand il joue simple comme sur la passe décisive, bah voilà, c'est Doku qu'on veut voir. Mais contrôle, une passe en profondeur, parfait. Et puis but derrière, voilà, des fois il se complique la vie. Il peut être irritant. Mais et puis rappelez-vous de ses buts l'année dernière, je pense à celui d'Angers, celui à Metz. C'est toujours des actions lancées. Avec des 1-2, des combinaisons pour rentrer dans la surface et où il est le décisif. Donc oui, c'est bien de faire les trucs arrêtés, il est capable de le faire, mais il n'y a pas que ça. Et je pense qu'il est plus efficace en étant lancé, en combinant avec ses partenaires.